Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Paraplégique Life. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de quelqu'un qui fabrique des décorations pour les attelles, pour les amputés, pour les personnes comme moi qui ont besoin de releveurs. C'est quelque chose d'assez nouveau et d'innovant et qui permet parfois d'aider le regard de certaines personnes qui ont du mal à accepter leur handicap. Salut Simon, merci de nous accueillir chez You Exist. Parle-nous un petit peu de toutes ces prothèses qui sont décorées de toutes les manières. À quoi ça sert et à qui c'est destiné? Ok. Merci à toi de venir nous voir. Moi je suis orthoprothésiste à la base et j'ai toujours considéré l'appareillage orthopédique au-delà de l'objet fonctionnel. Je trouve que c'est un objet qui mérite aussi son design. Le but, c'est de laisser place à la créativité sur un support un peu hors du commun. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en changeant un peu l'aspect esthétique, c'est-à-dire qu'en fait, par le biais d'un design, on va venir réchauffer aussi un lien social. Ensuite, c'est imprimé sur un support qui sera envoyé en fait à l'orthoprothésiste. Tu fais le design, tu imprimes, voilà. Et tu envoies ensuite à l'orthoprothésiste qui lui fabrique ces prothèses. C'est ça. En fait, nous on vend que la matière première designée. D'accord. Qui va permettre en fait de finaliser l'appareillage. C'est vraiment la touche finale, la finition de l'appareillage. Et donc voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc là, le papier, on va pouvoir l'envoyer à notre client et puis il va l'appliquer pour terminer sur les attelles. Voilà. Le but en fait, c'est de plus considérer l'appareillage orthopédique comme une extension du corps humain. Mm-hmm. Puisque le fait de vouloir faire par mimétisme du corps humain, on se dit que c'est pas toujours très sain psychologiquement. Ouais. Et là, de pouvoir vraiment considérer l'appareillage orthopédique comme un objet design ou quoi, on a une autre approche. Ouais, c'est ça. Qui est limite plus saine en fait. Bon, merci Simon pour cette visite. C'est une belle façon de rendre plus sexy les prothèses pour les personnes amputées. Je sais pas si t'as un message à faire passer ou quelque chose. Merci d'être passé. Merci à toi d'être passé. Nous notre but c'est de mettre un peu de vie sur les appareillages. Un peu de vie dans les appareillages, c'est vrai, c'est le mot que je cherche. C'est ça, et puis il ne faut pas hésiter, si vous êtes utilisateur d'appareillage orthopédique, orthèse, prothèse, vous pouvez toujours solliciter votre orthoprothésiste pour avoir une belle personnalisation. De sa prothèse, ça fait sympa. Allez, merci, salut, à bientôt. Ciao.